comment nous y est, mais espérons nous en forme et nous bien disposés nous pour nous suivre série formation ça. Moi côté pour la caillou jodi à la. Nous pam c'est Hippolyte Lucien de profession c'est un comptable et nous spécialisé dans comptabilité américaine, comptabilité informatisée. Moi crée contenu formation ça pour monde qui t'a aimé travail dans peut-être en market, en peut-être en shop ou bien toute entreprise qui utilise système automatisé. Eh ben, c'est des formations qui rares, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous guérons le monde tout qu'à penser pour nous, et qui pense que formation, ça, qui parle ici, vous, qui permet toujours notre travail, ok? Et non seulement tout, qui parle permettre, quel que soit quand on va aller dans un pays étranger, ou qu'à utiliser formation, ça, avec ça, on peut l'apprendre comme contenu de formation, ça, on peut utiliser pour bail service que, ou besoin, bail là. On nous va voir qui ça que n'a besoin et pour nous suivre formation ça. D'abord, nous va voir que fait une caissière ou bien un caissier. Nous va voir définition qui ça en caissier, qui ça lié, tâche et responsabilité, qui ça ou besoin en termes de compétences pour devenir un caissier ou bien caissière. Compétences, qualifications et qualités requises, perspectives d'emploi. Nous allons voir tout ça, les principaux aspects du métier de caissière et qui logiciel que vous utilisez. Important ça, l'offre une formation ça, d'abord, corpulence métier caissier ou bien caissière, hein? Ou pas le maîtriser li, et ensuite, ou maîtriser logiciel là, et n'a pas de touche sous gâteau pour n'a pas de tutoriel qui va le former net à mettre au top pour suivre système là bien. Avait dit, quel que soit pays ou aller aux États-Unis, ou aller en France, Chili, ou aller Santo Domingo, ou à ka travail en tant qu'on caissier ou bon caissier. On allez. On suit, et Jean que nous sommes tous ça là, nous invitons pour prendre formation ça, ou car il est 37 78 11 06. On nous partir pour deuxième vidéo pour nous intégrer directement dans la formation. En forme.